Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec vous de haul. Donc haul action, haul bureau valet. J'ai acheté 2-3 petites choses, donc je vais vous montrer. Alors on va commencer par action. Alors je sais plus les prix parce que j'ai plus mon ticket de caisse, mais c'est moins de 2 euros. Hein. Donc j'ai enfin trouvé les cartes, les petites cartes à diamanter. Donc j'ai acheté 2 coffrets, donc il y en a 3 différents. Donc là c'est un spécial fête, un remerciement, bonne chance avec des petites fleurs. Et il y en a un troisième, c'est avec des animaux. Donc moi ça me plaisait pas forcément, donc du coup j'ai pris ces deux là. Donc on va les découvrir, même si ils sont très connus. Mais pour celles qui ne les ont pas vus, ils se trouvent en ce moment chez Action. Alors, dans la boîte, vous avez 4 cartes. Donc, je vous montre la première. Donc, c'est des partiels. Il y a les 3 roses à diamanter. Donc, ça, c'est bonne chance. Donc, voilà, derrière. Et à l'intérieur, c'est blanc. Voilà. Donc, il y a la première qui est comme ça. La deuxième, c'est un beau papillon. Donc tout le papillon est à diamanter. Donc là il y a pas mal à diamanter. Donc le derrière, hop, voilà. Et dedans c'est blanc. Voilà, donc la troisième c'est Hello. Alors là il y a des beaux petits oiseaux à diamanter. Donc c'est les 2 oiseaux. Donc derrière c'est vert. Et dedans c'est blanc. Voilà. Ensuite, la quatrième, donc c'est des fleurs où il n'y a rien écrit. Et il y a juste la rose du milieu à diamanter. Donc je vous montre l'arrière. Voilà, et dedans, c'est blanc. Voilà, ensuite, il y a les 4 enveloppes. Donc des enveloppes blanches, voilà. Un toolkit, donc un toolkit vraiment basique avec le stylet rose. La petite barquette verte et le pain de colle, voilà. Et les diamants, donc les diamants, voilà. On voit les couleurs, assez gaies, assez chaudes. Donc voilà, c'est des diamants ronds. Donc voilà pour le premier kit. Ah, et il y a, je vous ai pas montré, il y a une fiche explicative. Donc là, on retrouve les 4 cartes. Voilà, donc c'est écrit en anglais, en allemand, en néerlandais. Voilà. Et de l'autre côté, en français, en polonais, en tchèque, en italien, en espagnol. Enfin, c'est traduit vraiment en beaucoup de langues. Et ici, vous avez les codes couleurs. Voilà. Avec le nom des couleurs correspondants. Voilà, donc c'est super bien. Il y a même une petite explication. Donc, voilà pour le premier kit. C'est dans des très jolies boîtes. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième. Donc là, c'est plus pour la fête, on va dire. Les événements. Donc la première c'est Let's Celebrate. Donc voilà, donc là c'est les petits fanions à diamanter avec l'intérieur des verres. Donc derrière c'est la même couleur que le fond et dedans c'est pareil, c'est blanc. Le deuxième, Have an Amazing Day. Voilà, avec des ballons en forme de cœur. Donc c'est les ballons à diamanter. Donc le derrière c'est rose. Et c'est blanc dedans. Party time. Donc ça, je pense que c'est pour les anniversaires. Donc là, les petits fanions à diamanter avec les petits chapeaux pointus. Derrière, c'est cette couleur. Voilà. Happy birthday to you. Avec un joli cupcake. Donc là, il y a un gros cupcake à diamanter. Derrière, c'est vert. Et dedans, c'est blanc. Donc, il y a toujours les 4 enveloppes. La petite fiche explicative, ça doit être la même.
Voilà. Avec les quatre visuels et toujours les petites lettres avec les noms des couleurs. Le même toolkit et les diamants. Donc les diamants, c'est des diamants ronds également avec toutes les couleurs qui se trouvent sur les cartes. Moi j'ai trouvé sympa, je les cherchais déjà avant Noël, mais dans mon action, elles n'y étaient pas. Et ou alors il n'y en avait plus. Mais là je suis contente de les trouver. Ensuite, on va passer à Bureau Vallée. Donc Bureau Vallée, il y en a partout, un peu partout en France. Du coup, je me suis pris un gros pinceau pour encoller mes toiles. Donc je vais vous montrer celui que j'avais avant. Donc celui que j'avais avant, voilà, je ne savais pas trop quelle taille prendre, j'avais pris la taille 10 et là j'ai pris la taille 20. Voilà, donc là vous voyez la différence. Là je vais aller beaucoup plus vite à encoller mes diamants qu'avec ça. C'est vrai que je prenais beaucoup beaucoup de temps parce que c'était beaucoup trop petit et je vous avais même conseillé de prendre un plus gros. Donc voilà, c'est bon, j'écoute mon conseil, je prends un plus gros. Alors je sais plus le prix, mais c'était pas cher, hein, moins d'un euro. Hein. Voilà, j'ai pris également, bon c'est pour le coloriage, mais j'ai pris un noir, un stabilo noir Pen 68 pour mes contours de coloriage. Voilà, donc j'avais pour mes contours, j'avais les peppermint noirs. Mais du coup, j'avais acheté un lot de 3 peppermint sur Amazon. Et ça part énormément rapidement, le noir, vu qu'on, surtout quand on fait des coloriages mystères Disney, parce que les Disney, ils ont des gros contours noirs. Donc, ce qui est cool, c'est que les Pen 68, comme ça, on peut les acheter à l'unité dans les bureaux Vallée ou dans les Cultura. Donc, voilà, donc je l'ai acheté, c'est pareil, c'était moins d'un euro. Et je me suis prise, alors, je me suis pris 2 grosses bouteilles de la colle Cléopâtre adhésive. Voilà, donc c'est celle que j'utilise pour encoller mes diamond painting. Alors je l'utilise parce qu'elle est à colle super vite, à sèche super vite, à colle très bien. Elle est très forte et elle garde la brillance. Du coup, j'étais dans mon bureau Vallée que je vais d'habitude dans une de ville à côté de chez moi. Et ils n'avaient pas celle-ci, ils avaient juste la colle transparente de chez Cléopâtre. Papier carton. Alors du coup, j'ai demandé à la vendeuse quelle est la différence entre l'adhésive et la colle transparente. En fait, la colle transparente, quand elle sèche, elle n'est pas brillante, alors que celle-ci, elle est brillante. Donc du coup, je ne l'ai pas prise. Et je l'ai commandée sur Internet. Et du coup, j'ai fait en click and collect dans la plus grosse ville vers chez moi aussi, dans une autre ville où il y a un bureau Vallée. Donc j'en ai pris 2, parce que c'est vrai que ça me fait très longtemps, mais j'ai remarqué qu'ils étaient souvent en rupture de stock. Où ils n'avaient pas beaucoup de stock, donc là je suis vraiment tranquille pour un long, très long moment. Vu que j'ai des grosses toiles à faire, là je vais avoir quasiment que du 50x70. Donc même si j'en ai pour la dernière, hein, elle m'a duré un an. Hein. Donc là j'en ai au moins pour 2 ans. Mais j'ai mon stock, comme ça, voilà. Donc pour celles qui demandent, c'est la colle Cléopâtre, l'adhésive. Voilà, et moi je prends le format 1 litre. Donc ça colle, ça sèche très vite, ça colle très bien, ça garde son brillant. Et quand c'est sec, ça ne fait pas l'effet collant. C'est tout doux, c'est tout lisse, c'est brillant. Ça ne fait pas de bulles, ça ne fait pas de traces, d'aspect poreux, non, ça fait brillant, ça fait lisse. Si on étale bien, il n'y a pas de bulle d'air, c'est nickel. Ça rigidifie un peu la toile, mais pas de souci, on peut la rouler. Une fois que c'est encollé, on peut la rouler pour la ranger, pas de souci. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Je vais en profiter de cette vidéo pour vous présenter une boutique sur Etsy. Donc c'est pas du diamond painting, c'est des bijoux fantasy. C'est ma petite Sabine. Donc Sabine, c'est une abonnée à moi. Et elle a une boutique Etsy où elle fabrique ses bijoux fantasy. Donc d'ailleurs, elle m'a offert ce beau bracelet. Merci Sabine, je te fais de gros bisous. Donc elle fait, voilà, elle fait des bracelets. Donc là, il y a deux petits chats, c'est trop mignon. Voilà, elle est superbe. Et je lui avais acheté pour l'anniversaire de ma belle-mère des boucles d'oreilles, parce qu'elle a fait des parures, elle a fait des colliers, elle a fait des bracelets, elle a fait des boucles d'oreilles. Donc je vous montre ce que j'ai pris pour ma belle-mère. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être enlever le plastique. C'est super bien emballé. Donc voici ce que Sabine fait. Alors j'espère que ça fait faire le focus. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Elles sont magnifiques. Voilà. Vous avez plusieurs modèles. C'est des modèles uniques, hein. C'est elle qui les fabrique. Vous avez plusieurs couleurs. Il faudra que vous fassiez un tour dans sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre de description. Donc, je vous montre sa boutique. S'appelle La Petite Tortue. Voilà. La Petite Tortue. Alors, du coup, vous avez là le lien de sa boutique Etsy. Vous avez son Facebook. Voilà. Donc, je vous montre comme ceci. Et je vous mettrai de toute façon le lien de sa boutique juste en dessous de la vidéo. Je lui ai acheté plusieurs paires de boucles d'oreilles. Moi, j'adore les boucles d'oreilles aussi. Et pour offrir... pour s'offrir pour nous aussi, hein, parce qu'on pense à nous. Voilà, c'est super beau, unique et c'est surtout pas cher. C'est pas cher, hein. Vous en avez à 12 euros, vous en avez à 9 euros. Il y a des soldes en ce moment, profitez-en. Il y a moins 20% sur toute la boutique. Voilà, et puis je vous montre le beau petit bracelet. Voilà. J'adore. Donc Sabine, je te fais de gros bisous et j'adore ce que tu fais. D'ailleurs, c'est la troisième fois que je commande sur sa boutique. Je le reçois très rapidement. Je le reçois très rapidement. Donc je recommande très fortement. En plus, vous voyez, c'est super bien emballé, hein. C'est arrivé dans un papier bulle, dans une petite pochette comme ça. Magnifique. Donc voilà, donc le petit haul achat action Bureau Vallée et puis boutique Etsy est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.